Sinon, c'est pas drôle. Ouais, oh, puis en plus, pour 35 millions, là, je suis en train de faire ça. Mais bon. C'est pas énorme. On a déjà eu des commandes plus juteuses. Wow! Hey! Il se passe quoi là? J'ai un gros souci de carburant. C'est compliqué. Là, ça revient. Et là, ça rechute. J'ai pas pu en construire mon. Ouais, j'ai pas pu construire le. Ça c'est bon. Niveau énergie, c'est en dents de scie. Le problème de toute façon, c'est que j'ai pas suffisamment de pognon pour pouvoir ne serait-ce que construire un bâtiment, quoi. Qu'est-ce qui consomme du bois? C'est les armes à feu qui consomment du bois, mais est-ce que j'en exporte plus? J'en exporte plus les armes à feu, donc. Ah oui, non, mais c'est désactivé, c'est désactivé. J'ai rien dit. C'est désactivé. Allez, donne-moi, dis-moi que c'est. Oh, c'est pas ouf, mais on prend. C'est pas ouf, mais on prend. Idéalement, faudrait faire un deuxième entrepôt. On fera un autre entrepôt, genre par là, qui va regrouper des forêts là, parce que c'est. Ça commence à être un petit peu l'enfer aussi, ça. Refaire une forêt ici. Ok. Donc là, normalement, le bois, on est bon. Ensuite, il y a les piles. Les piles, et là, les piles, j'ai pas d'autre solution. Il va falloir que je reconstruise une autre usine de piles. Donc, on est parti. On est parti, mais de toute façon, j'ai pas assez. Donc, usine de piles. On va juste voir l'emplacement où on peut la mettre et que ce soit pertinent. On peut la mettre là. On peut la mettre ici. Voilà. Quand on aura assez de pognon. Pas maintenant. Mais ici, on mettra une usine de piles. Je remonte la liste en fait, hein, tout simplement.
Vu que de toute façon je suis assez limité. Coûte combien pour faire un... Ah bah c'est bon, j'ai assez. Ah, il en manque encore un peu. Il manque un niveau. Il manque encore un niveau. On est à 4 piles de pertes par heure. Mais voilà, il me faut. Mais il faut. Mais voilà. Pendant. J'ai un stock pour tenir 4 jours et 5 heures. Donc ça va. Par contre, le pétrole brûle, j'ai le stock que pour tenir 1 heure. On va dire que c'est raide. Après, il y a le pétrole raffiné qui, parce que c'est, parce que le pétrole brut nous sert qu'à faire du pétrole raffiné. Donc en fait, c'est quand on sera à court de pétrole brut, voilà, ce sera pas vraiment la panique parce que on aura encore du stock de pétrole raffiné. Par contre, on va pas pouvoir en produire autant qu'on va finir en pénurie de carburant, arriver à un moment quoi. C'est le problème. C'est bon, allez, niveau 10. Qu'est-ce que nous dit ce truc-là? Oh, 200. Oh, nickel, nickel, nickel. Nickel. Alors, c'est quoi la prochaine ressource qui manque? C'est le fer. Le fer, je disais, c'est pas si un souci que ça. Le fer, on l'exploite par ici. Voilà, on a encore des gisements disponibles, donc éventuellement... Voilà, un. Est-ce qu'on peut en faire une deuxième? On peut même faire une deuxième mine. Voilà. Que demande le peuple? Et je prends goût à utiliser le clavier pour utiliser. Enfin, voilà, pour construire mes bâtiments. Les administrer, c'est plus simple. Hop, ça, hop. Voilà. Ici. On va attendre juste que cette deuxième mine soit construite, puis on va l'exploiter. Et voilà. Parce qu'en fait, le nombre entre crochets, là, c'est le raccourci sur le pavé numérique pour pouvoir aller plus vite. Si j'appuie sur 4, par exemple, je désactive la mine. Mais bon, pour le coup, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà. Après, j'ai des mines de fer aussi ici que je peux. J'ai de l'aluminium aussi ici. Et ça ne demande pas des entrepôts. En fait, j'ai mon centre d'échange qui est pas loin. Et voilà quoi, c'est pareil quoi. Après, c'est le pétrole. Bon, je peux sauter le pétrole et regarder pour le silicium. Le silicium, alors, bah, en plus je dois en avoir dans le coin du silicium. Silicium, alors. Voilà, je pourrais bâtir une mine là pas loin du centre.
Après, c'est parce que c'est exploité par là, quoi. En soi, ouais, celle-là, par exemple. Bon, le truc, c'est qu'il me faut ouais, 151 millions pour pouvoir. Et c'est pas une façon de parler, il me faut 151 millions pour pouvoir construire juste une mine de silicium. Envie d'hurler. Donc on va les attendre, hein, c'est pas grave. Et puis si on a une mission entre deux, ben tant mieux, ça nous la remboursera. En attendant, c'est beau hein, de voir toutes ces boules là aller et venir. Bon, on va regarder la mission qu'on a. Nickel. Allez, hop. Une mine de silicium. Va tout de suite exploiter. Voilà. Ping. Voilà. Alors, le silicium, est-ce que ça reste un problème? Non, c'est pas là, à chaque fois je me plante. C'est toujours un problème, mais plus minime déjà. Il nous faudrait une autre mine. On en a une juste à côté. Mais pareil, on n'a plus de pognon. On n'a plus de pognon, c'est assez galère. La question est, est-ce que... Attendez, on va regarder un petit peu les stocks. Si je regarde le stockage, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Voilà, que j'ai en millions, avec une bonne production, voilà, que je me pose pas trop de questions. Il y a les écrans, hein. Les écrans, je pourrais en vendre. Le gaz, s'il y a moyen d'en vendre, j'en ai à foison. Du plastique. S'il y a quelqu'un qui veut du plastique, alors là, enfin voilà. Donc on va faire ça. Donc le plastique ou le gaz. On va regarder un petit peu les prix du marché pour le plastique et le gaz. Ça c'est le gaz. On est à 30 pour... sachant que je peux en vendre jusqu'à 5 millions. Donc soit je vends 5 millions de gaz naturel pour 150 millions de pognon, ou le plastique, je disais. Alors je sais que vous voyez pas le menu là que j'ai d'ouvert, mais voilà. Là ça c'est le plastique. Alors je peux pas en vendre 5 millions. Par contre avec 52. Donc là par contre je peux en vendre 2,9 millions. Pour à peu près le même prix. Écoutez, je préfère encore vendre du plastique. Remarque, je peux vendre les deux. Ah bah non, vu que j'ai dépensé tout le stock de vente, toute la quantité d'échange que j'avais, je peux pas vendre mon gaz naturel. Enfin, je peux pas vendre 5 millions de gaz naturel. Tant pis, je vais vendre du plastique. À un prix un peu plus élevé que le marché, je me suis planté, mais c'est pas grave. Pas grave, ça va partir, ça va partir, c'est pas un souci. Dans 40 secondes, j'ai une nouvelle commande. Et donc, oui, donc le silicium, hein, c'est ce qu'il me manque d'après le tableau que j'ai là. Après, le charbon va galérer aussi. Et le charbon, ça va pas être la joie non plus. Bon, je vais avoir la mission avant d'avoir le pognon. J'ai pas relancé ma mode aussi, hein. Faut que j'y pense. Millions, ouais, bon, allez. Juste de quoi me faire ma petite mine de silicium.
Ah oui, ah c'est ventu. Ah d'accord, ok. C'était ça le bruit. Parce que j'avais eu le deuxième bruit, mais oui, c'est ma vente de plastique. Elle est déjà partie. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. C'est parti, donc c'est plutôt content. Il manque encore du silicium. Décidément. Mais là, l'avantage, c'est que je peux faire la... Hop, je peux la faire là. Hop, ici. J'avais pas vu, mais ici, la mine de fer. Hop, allez. Et ça a ruiné tout mon pognon, par contre. Ça a ruiné tout mon pognon, cette histoire. La mine de fer, là, elle n'est pas liée. Donc, on va la faire. Voilà. Ok, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Eh ben c'est bon, le silicium n'est plus un problème. On a le charbon. Avant, on va juste terminer, voilà. Hein. Mais là, il va nous falloir du charbon. Le charbon, hop. Ben, on a là. On a là, et on a deux mines là. Après, on en a un peu plus loin. On peut exploiter encore quelques mines ici. Quelques gisements. Une minute 40. Bon. Non, c'est bon. J'ai le jeu qui a planté pendant une seconde. Mais c'est rien. C'est drôle parce qu'il me dit que théoriquement, je suis censé perdre. Je suis censé sortir en fait du. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai en fait. En fait, le théorique est un peu faux parce que j'ai quand même plus d'import que d'export. Hein. Donc j'ai quand même mon stock qui augmente. Là, je suis à 5 millions là. J'étais à 3 millions il y a une heure. Donc en vrai, le pétrole, j'ai pas vraiment à m'inquiéter en vrai. Par contre, si je regarde le charbon, par contre, ça diminue réellement, par contre. Donc le charbon, ça va vraiment être une priorité. Que je peux construire un deuxième? Non. C'est pas la bonne. C'est pas le bon truc. C'est pas ce que je voulais faire. Retire-moi cette route. Elle a rien à foutre là. C'était cet entrepôt-là que je voulais, parce que c'est lui qui exploite le charbon. Et donc, cette mine-là. Cauchemar de niveau 10 direct. Et que ça équilibre un petit peu ma chute. Une mine a équilibré un peu ma chute.
Et même, j'ai l'impression que ça réaugmente un petit peu. Donc le théorique, il est moyen, mais je vais quand même suivre hein, le théorique. Hein, on va pas se mentir. Donc il me faut absolument cette seconde mine. Par contre, on approche de la fin de cette session de tournage. Donc, et bah pareil, hein, il va y avoir une coupure. Et puis bah quand on reviendra de la coupure, et ben bah, waouh, j'aurai plein de pognon. Et puis là, les mines de charbon, il n'y a pas de souci. Je pourrais en créer 50 d'un coup. Il n'y aura aucun souci, quoi. Par contre, ce petit truc là de. Hop, ici, dans le marché d'échange. Le fait d'être limité sur la quantité de ressources qu'on peut vendre, c'est quand même un gros frein, quoi. Ça correspond à quoi ils me disent? Le quota d'échange des joueurs est de 1% de votre plafond de marché. Il est réinitialisé lors des mises à jour du marché. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que le marché est remis à jour. Est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que c'est toutes les heures? On sait pas en fait. Allez, on va juste attendre la prochaine mission, en espérant que ça nous permette de créer cette autre mine de charbon. Puis c'est tout. Après, qu'est-ce qui nous manque encore en ressources qui sont galères? On a encore de l'acier. On a encore un souci d'acier. Il faudrait que je crée une quatrième aciérie. Ça m'emmerde, hein, c'est clairement parce que une quatrième aciérie, ça veut dire moins de charbon, moins de charbon, moins de fer. C'est-à-dire qu'il va falloir que je refasse des mines de fer, refasse des mines de charbon. C'est donc l'équilibre est en train de perpétuellement se défaire. Pff, attendez, j'ai le marché qui s'est effondré là. J'ai des marchés qui se sont effondrés. Les batteries, les guitares, c'est fini. Vive les armes à feu et les semi-conducteurs. Et donc les armes à feu, résultat, bah je vais en. Bah déjà je vais le maxer parce que j'ai la possibilité de maxer et puis voilà. Et donc ça va encore déséquilibrer le marché qui est en cours. 100 millions. Hop, je viens de gagner 100 millions. Qu'est-ce que me dit le marché? Que les semi-conducteurs sont en dèche. Mais de pas beaucoup. Donc peut-être faire une petite usine de semi-conducteurs, mais on va quand même faire le charbon. On va terminer le charbon et on sait que les semi-conducteurs seront une autre priorité. Après voilà, il me dit 39 heures pour la chute des semi-conducteurs parce que je perds que 2 par seconde en gros quoi. Donc et encore, le temps visiblement il augmente. Sorti dans 36-30, 36-35, voilà. Donc en vrai, on peut être un petit peu en déficit. En vrai, les fluctuations du marché entre guillemets font que en vrai, on peut se permettre un petit déficit théorique. C'est pas dramatique, on va dire. Bon, écoutez, sur ce, de toute façon, après voilà, il y aurait d'autres bâtiments à faire, hein, mais siège social, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait des livres et de la science. Ok.
J'ai vu que j'avais un truc de livre. Ouais, livre. Livre et culture. Ok, donc livre et science ou livre et culture, quoi. Après, j'ai l'artillerie. On peut tenter l'artillerie, hein. Après, il y a les radars. Il y a les automobiles. Alors là, les automobiles. J'ai un tout petit peu de temps. On va faire l'automobile rapidement. On va faire l'automobile rapidement. Oh, eh. Juste à côté de la. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des moteurs, de l'acier, des semi-conducteurs, du verre, de l'aluminium, du plastique, du pétrole raffiné et des planches. Et donc, j'ai tout ça de toute façon qui arrive à mon. Alors, il y a juste le pétrole raffiné qui va venir d'un peu plus loin. Mais sinon, tout est sur place. Yeah. Il me faut 200 millions. Il me faut 200 millions, mais c'est faisable. 30 secondes, allez. On va juste attendre les 30 secondes. On va espérer atteindre les 200 millions pour pouvoir faire l'usine d'automobile. Et on la terminera dans les jours prochains. Parce que malheureusement, là, je vais pas pouvoir tourner avant quelques temps. Parce que je vais être pas mal occupé, là, après. Bing! Et non! Est-ce que c'est suffisant? Oh, c'est tout juste suffisant. C'est tout juste suffisant. J'ai tout. Et là, la grande question, c'est, eh oui, eh oui, eh oui. Donc les semi-conducteurs, bah ça, moi, ça m'arrange de pas en exporter. Alors les voitures, je comprends pas pourquoi. Ouais, parce qu'à mon avis, il doit manquer des trucs. Il va encore manquer des planches. Alors, lui, à mon avis, on va lui dire d'arrêter d'importer du bois. Non, c'est pas ça. Des bois, des planches. Tiens, il. Pourquoi lui? J'ai pas assez de bois ou comment ça se passe? Parce que visiblement. Visiblement, eux, ils ont pas d'import de bois. Est-ce que. Ah, attendez. On va faire ça. Alors tant pis, on va les faire importer de plus loin, s'il le faut. Il manque juste. Il en manque juste une. Il en manque juste une. Et ça résout le problème, la scierie. Où est-ce que je peux en construire une? Je peux en construire une ici à 25%. Mais j'ai pas le pognon. Donc de toute façon, voilà, il manque pas grand-chose. Mais il manque toujours pas grand-chose. C'est ça le problème de jeu. C'est que j'ai du mal à décrocher en vrai. J'ai du mal à déposer. Il me faut 180 000. Bon, on va voir si on a une mission qui arrive là dans les quelques secondes qui suivent là.
Allez, on y est, on y est. Voilà, ok, on l'a fait. Ici, il me manque 30 secondes pour avoir la prochaine. Voilà. Lui, on va tout de suite lui dire, hop, tu m'exploites ça. Et ça, on va lui dire, au maximum, hein. Maximum que tu peux. Et donc là, les planches, c'est bon. On a plus les planches. Après, il nous manque du verre. Du verre, donc il va nous falloir une autre usine de verre. Ici, en fait, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Ici, ce sera encore mieux. Ouais, donc allez. Ouais, mais pareil, toujours pareil en fait. C'est qu'on se dit, ouais, il me faudrait ça, mais. Ah, d'accord. Ah, puis d'accord, puis il lui manque. Bon, comme je disais, de toute façon, voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que cette session de tournage vous aura plu. Pour vous, soit on continue là à la suite avec plein de pognon, soit au prochain épisode, dans tous les cas avec plein de pognon. À bientôt! Ok, donc nous sommes de retour quelques jours après. Alors, il s'est passé un petit peu de choses. J'ai un petit peu joué hors caméra. Bon, il s'est pas, j'ai pas avancé énormément. Hein. J'ai juste amélioré mes centrales un petit peu. Les puits de pétrole. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait actuellement. Et je vous avouerai que j'ai quitté rapidement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelques soucis. Alors je vais juste essayer de checker rapidement. Hop. Avant des écrans, des moteurs. Voilà. Et oui, j'ai acheté également une vente automatique en plus, ce qui fait qu'on est à 6 ventes automatiques. Voilà. On va alors les jouer. On va les désactiver rapidement. Les voitures, je crois, je n'en vends plus actuellement. Si, mais je suis de toute façon coincé par le verre. Oui, c'était ça. On devait refaire une fabrique de verre, sauf que je peux améliorer celle-là de 10 pour 5 billions. J'hésite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'augmente de... Allez, on va l'augmenter de 10. Ça devrait aider. Ça devrait aider. Qu'est-ce qui lui manque? Lui, du charbon. Donc là, on a deux soucis. On a deux soucis. Le premier, c'est que le pétrole brut. Alors attendez, on va hop là estimer le pétrole brut, c'est un enfer. Il faut absolument qu'on améliore notre pétrole. Autre chose, j'ai acheté 10 permis de construire, ce qui va permettre de faire plus de trucs. Alors, il va me falloir plus de pétrole brut, parce qu'on va tomber à court. Donc il me faut voilà plus de hop non pas ça ça voilà il va falloir qu'on exploite plus de mines de pétrole, ça surtout, et de toute façon aussi du carbone. Je vais voilà on va exploiter les quelques mines qu'il y a là, parce que là c'est donc déjà je vais avoir 4 mines de carbone là qui vont. Voilà, hop. On est parti. On va exploiter le carbone qui est là. Et qui part ouais, vers là-bas. Est-ce que je refais un entrepôt intermédiaire? Si je demande un entrepôt intermédiaire.
Ouais, on pourrait, hein. On pourrait en mettre un là. Puis on fera transiter 2-3 trucs par là, là, parce que c'est... Voilà, donc allez, allez, on va faire ça. Je vais mettre un entrepôt ici en plus. Alors, la mine de charbon ici. Hop, maximum. Alors attendez, je vais fermer ça. Voilà. Est-ce que j'avais... J'ai le navigateur qui est... J'avais un navigateur qui était ouvert. Avec du travail. Hop, voilà. Et donc il restera le... Voilà, sachant que bah, lui peut-être, enfin peut-être que ces deux-là, résultat je vais... Ouah, non, on va pas le faire, mais... On verra. De toute façon, le, voilà, le, j'ai un entrepôt là-bas qui peut servir. Donc, c'est 5, hein, pour ouvrir une nouvelle, ouais. Pour ouvrir une nouvelle route. Écoutez, hein, je suis en train de gaspiller un petit peu mes permis. Parce que je vous ai dit, c'est pas le carbone, bon, c'est pas et vraiment la priorité. Mais je sais qu'il en manque, donc on va terminer l'exploitation de carbone dans le coin. Voilà, et ici. De charbon, oui, c'est du charbon, je dis carbone, mais c'est charbon. Hop, voilà, comme ça. Ok, et donc lui, x 3. Est-ce que j'ai encore du... Voilà, après c'est un peu loin, hein. C'est un peu loin. Bon. Ensuite, on a le oil. Le oil, il va falloir en exploiter beaucoup plus. Donc, on a deux oil ici qu'on peut exploiter. Après, il y a toute cette partie-là. Et à la limite, cette partie-là, on va la centraliser ici. Avant de la renvoyer tout en haut là-bas. Ici, d'ailleurs, ici. Oh, je peux améliorer d'un. Ok. J'ai pas regardé, mais on doit avoir aussi. Ouais, il faut du verre. Il faut absolument du verre. Hop. Ouais, le verre, voilà, c'est pas. Là, techniquement, c'est compliqué. Qu'est-ce qui consomme du verre encore? Comment ça se fait que je... Bon, attendez. Je vais lui faire chercher du carbone plus loin, lui, parce que... Mais lui, il importe pas de carbone, lui? Attendez, je crois que lui, il a... Je crois que c'est ça, le problème. Il importe quoi, lui? Bah si, tu en importes du carbone, normalement, de... Attendez. Entrepôt. Ici, c'est des planches. Ici, c'est du fer.
Et d'ici, il apporte du charbon. Donc il en importe du charbon. C'est parce qu'il est pas assez haut niveau. Il est pas assez haut niveau, lui, il faudrait que je l'augmente encore. Il a pas assez d'input. Il est sursaturé. Ou alors faudrait que je crée un autre entrepôt spécifique au carbone. Parce que là, il va directement aller chercher le carbone chez lui parce que ici, il n'a pas un apport suffisant. Bon. Hop. C'est bon, j'ai suffisamment de verre. Et ce qui veut dire que normalement, ma production, je peux la relancer. Tac, tac, tac. Je serai active. Je serai active. Ici, il manque de quoi lui? D'acier visiblement, ok. Polytechnique, on avait dit qu'on abandonnait, ça servait à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que voilà, c'est pas forcément utile. Alors, niveau des puits de pétrole, c'était ici. C'était ici. Et qu'il y avait ces deux puits là. Qui n'était pas relié, hein, je crois. C'est ça. Ah, j'ai des soucis d'électricité. Bon. J'ai des soucis d'électricité. Donc ça, on va résoudre le problème rapidement. C'est ça que je voulais faire, c'était éventuellement refaire des centrales à gaz aussi. Donc on va voir où est-ce qu'on peut mettre une centrale à gaz. Après, c'est une éventualité de... En vrai, allez, hop. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. Faut que je regarde pour mon pétrole. Est-ce que c'est un peu limite le pétrole? C'est un peu limite, mais ça peut encore aller. Mais c'est encore une fois, hein, c'est parce que de toute façon il faut que j'exploite plus de pétrole brut. Donc allez, c'est parti. Donc tous les oils qui sont là, je vais les centraliser ici et puis ça va partir pareil en hop hop. Et ça y est, j'ai épuisé tous les permis que j'avais achetés. Donc là, c'est le début des ennuis. Ok, et donc lui, on peut faire 5, hop. Et donc par contre, c'est pas du charbon qu'il va importer, c'est du pétrole. Voilà. Est-ce que rajouter une... Lui, pourquoi il marche pas? Ah, il faut en apporter, donc c'est bon. Bon, on va voir pour remettre une raffinerie de pétrole. Dans le coin.
Ah bah oui, évidemment. Évidemment, évidemment. Il me faut quasiment 1 billion maintenant pour un. Ah, qu'est-ce qui manque? Pétrole brut. Là, c'est compliqué, chef. Je vais pas pouvoir honorer cette commande. On a baissé en demande, hein, mais. Après, en pétrole raffiné, je suis comment? Évidemment. Le pétrole raffiné, ici. Pareil, hein, je suis pas. Entrepôt usine de verre. Ah bah oui, ok, oui, c'est ce fameux entrepôt-là vers le. Parce que lui, il n'a pas un flux assez important. Pourtant, lui, il a un flux de. Je regarde, hein. C'est en bas. 7K par seconde. Ouais, oui, bah oui, on en voit plus que ça. Il manque lui. Charbon, ouais, c'est pareil. J'ai toujours des soucis avec mes aciéries. J'ai beaucoup de soucis en fait qui s'accumulent. Allez, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je sais pas si ce que je vais faire est rentable. J'ai acheté un peu de pétrole brut. Bon, j'en ai racheté un petit peu histoire qu'on soit un petit peu tranquille. Même si c'est pas génial. Il me dit sortie dans 3 minutes. Ouais, on va tomber à sec dans 3 minutes théoriquement. Quoique ça a l'air constant. Ah, en fait, ça chute très légèrement. Donc, théoriquement, mais en fait, on va tenir peut-être un peu plus longtemps que ça. Quand on regarde au détail, on est quand même en chute. Donc ok. Bon, donc ça c'est une chose. Ensuite on a l'acier. L'acier on est en rupture de stock. Le gaz naturel apparemment. Ouais non mais le gaz naturel il dit que théoriquement ouais mais en vrai on est bien en gaz naturel. En vrai on est. C'est pas demain qu'on va chuter. Les planches,
c'est bon, l'aluminium, c'est bon. En vrai, j'ai une sortie théorique, mais pas vraiment en fait. Les vêtements, par contre, les vêtements, c'est un problème. Si j'améliore. Okay. Ça a besoin de quoi? Rappelez-moi. Papier, plastique. Ça, c'est pas. Après, il y a le papier. Bon, le papier, normalement, ça devrait le faire. Papier qui te demande que du bois. Ah, de l'acier, de l'acier, de l'acier. Qu'est-ce qui consomme de l'acier? Les moteurs, les voitures, les trucs à réaction là. Je sais plus ce qui demande encore de l'acier. Est-ce que ça demande de l'acier? Non. Ça devrait être bon. Je sais plus ce qui demande de l'acier. Les robots, ça demande de l'acier. En vrai, je m'emmerde, mais pas assez de ressources dans le centre d'échange. Hop. Et on est reparti, on réactive tout. Alors qu'est-ce que j'exporte en fait là? J'exporte toc toc toc, ok. Alors, on en était aux vêtements, je suis toujours en rupture de stock. En vrai, il m'en manque pas énormément, c'est juste voilà quoi, j'ai une légère chute. Si j'augmente encore d'un, ça devrait le faire. Ouais, voilà. Je sais pas où c'est passé. Voilà, vêtements. Voilà, je suis reparti à la hausse. Donc ça, c'est une ressource qui est gérée. On va commencer par le bas pour les ressources. Voilà, donc après, donc les planches. Il y a l'aluminium. L'aluminium. Apparemment, ça repart à la hausse. Je sais pas pourquoi c'est reparti à la hausse quand j'ai résolu les vêtements. Donc, on va dire que l'aluminium, c'est OK. Le silicium, c'est un souci. Tac, tac, tac. Silicium. SI. Silicium. Alors, voilà, j'ai quelques mines. Je peux réexploiter quelques mines par ici. Hop. C'est parti. Ah. Ah bah oui, pas assez d'argent. Ah, c'est le problème. C'est que là, pour résoudre des problèmes, va falloir que je. Ou alors que j'augmente mes mines, quoi. Bon. On va essayer de résoudre le problème autrement. Hop, qu'est-ce que je peux vendre? Quelles ressources j'ai en abondance que je peux vendre?
Le fer. Je peux vendre du fer. Du bois. Mais le charbon, ils me disent que je suis ok, alors... Ouais, parce que c'est la chose que j'ai gérée tout à l'heure. Ok, donc le charbon, en tout cas, je suis bon. Et limite, je pourrais même en vendre. Mais bois et fer. Le bois et le fer, je peux éventuellement en vendre. Au marché, je veux dire. Tac, donc... offre... attendez, qui? Est-ce qu'il y a des offres de...